les trois oiseaux. L'oiseau de fer, l'oiseau d'acier, après avoir lacéré les nuages du matin, il voulut picorer des étoiles au-delà du jour, descend comme à regret dans une grotte artificielle. L'oiseau de chair, l'oiseau de plume, qui creuse un tunnel dans le vent, pour parvenir jusqu'à la lune qu'il a vue en rêve dans les branches, tombe en même temps que le soir dans un dédale de feuillage. C'est lui qui est immatériel, lui, charme le gardien du crâne avec son chant balbutiant, puis ouvre des ailes résonantes et va pacifier l'espace pour n'en revenir qu'une fois éternel.